Il s'agit de la correction du deuxième exercice, un exercice de brevet des collèges dans la série des révisions pour le brevet. Dans cette deuxième question, on demande de calculer l'aire du skatepark, c'est-à-dire l'aire qui est assurée. On reconnaît ici un trapèze pour déterminer l'aire assurée, mais ce n'est pas forcément très simple de calculer l'aire en trapèze. On n'utilise pas souvent cette formule, on n'en a pas besoin ici. L'idée, ça va être de calculer l'aire du triangle jaune, là. On a déjà calculé la première question, donc ça c'est déjà fait. L'aire du grand triangle, PRC, et de soustraire ces deux aires pour déterminer la différence, donc l'aire assurée ici. Il nous faut donc déterminer l'aire du grand triangle PRC, qui est un triangle rectangle en R. On connaît le côté PR, qui vaut 30 plus 10, 40, et il nous manque le côté RC. Pour déterminer ce côté-là, il va nous falloir utiliser un théorème. On a un triangle rectangle, on n'a qu'un seul côté dans ce triangle, Pythagore ne nous servira à rien. On voit ici clairement une situation de Thalès avec deux droites parallèles, puisqu'on a deux perpendiculaires au côté PR, et là on est clairement dans une situation de Thalès qu'il va falloir proprement rédiger. Pour rédiger le théorème de Thalès, il faut se placer dans deux triangles, ce sont les triangles PAS et PRC, et on doit avoir trois conditions pour utiliser ce théorème. Des points alignés, on peut dire que le point A appartient à la droite PR, que le point S appartient à la droite PC. On aurait pu dire aussi que les points PSC sont alignés, PAR sont alignés, peu importe, il y a plusieurs façons d'exprimer ces deux idées, mais elle est importante, on aurait pu dire que les droites AR et SC sont sécantes en P, peu importe, mais cette idée est fondamentale. Et la troisième idée, et attention, il y a un petit piège, c'est de prouver le parallélisme. Or, le parallélisme n'est pas donné. On a la droite AS qui est perpendiculaire à la droite PR et la droite RC qui est perpendiculaire à la droite AS. Deux perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles. Donc, on a bien la droite PR qui est parallèle à la droite AS. Attention à cette petite démonstration-là. Elle est fondamentale pour prouver le parallélisme. Le parallélisme n'était pas donné dans mon énoncé. Une fois qu'on a ces trois conditions-là, on reconnaît une situation de Thalès avec deux triangles qui sont ici emboîtés l'un dans l'autre, le grand triangle rouge et le petit triangle jaune. On a montré le parallélisme des deux côtés-là. Et donc le théorème va dire un petit côté jaune, donc PA sur le grand côté rouge PR, est égal à petit côté jaune PS sur le grand côté rouge PC, est égal à petit côté jaune AS sur le grand côté rouge RC. On peut citer le théorème de Thalès qui nous dit que PA sur PR est égal à PS sur PC qui est égal à AS sur RC. On peut remplacer PA par 30, PR par 40 qui est égal à PS sur PC, là-dessus je n'y connais rien, je ne vais même pas y toucher, est égal à AS 18 sur RC, c'est la longueur que je cherche. De ce produit en croix, on va en déduire que RC est égal à 18 multiplié par 40 divisé par 30, ce qui va me donner 24. On a donc trouvé RC qui vaut 24, que je peux remplacer ici. On n'oublie pas que je cherche, moi, l'aire qui est assurée. Là, j'avais trouvé une aire de 270 mètres carrés pour le petit triangle jaune. Je vais calculer l'aire de mon grand triangle PRC, sachant que la hauteur de mon triangle ici est égale à 40, 30 plus 10. Donc on va faire 40 fois 24 divisé par 2. Donc l'aire du triangle PRC vaut, donc on calcule, base fois hauteur divisé par 2, soit 40 fois 24 divisé par 2, fait 480. L'aire assurée, on cherche, vaut la différence des aires des deux triangles qu'on a déterminés, d'où l'aire est égale, rappelons-la A1, puisqu'on a déjà fait un petit A ici, 480 moins 270, ce qui fait 210. Et on conclut en revenant au problème, l'aire du skatepark est de 210 mètres carrés. Cet exercice est terminé.